Exercice numéro 4. Sépare les mots. Voici une phrase qui commence bien par une majuscule et qui se termine bien par un point. Ici, la phrase « Le caneton est un cygne » a un petit souci. Regardez bien, on a oublié de séparer chaque mot. Alors vous allez devoir faire de petits traits verticaux pour séparer chaque bout de cette phrase. Le caneton, pour séparer le de caneton, je viens donc faire ici un petit trait à la verticale. Je vous laisse ensuite continuer. Le caneton est un cygne. L'exercice numéro 5. Entoure les mots identiques au modèle. Donc on vous propose ici deux mots en modèle. Donc premier mot ici que je vous laisse le temps de déchiffrer. Beau. Et le suivant. Signe. Donc regardez bien l'écriture du modèle, regardez bien les lettres et ensuite à vous d'observer chacun des mots proposés. Et lorsque le mot est identique au modèle, à vous de l'entourer. De même pour le mot suivant, pour le mot signe, regardez bien chacun des mots et à vous de l'entourer à chaque fois que vous le reconnaissez. Dernier exercice, exercice 6. Colorie le mot « signe » dans la grille. Tu le trouveras 4 fois. Donc le mot « signe » est ici écrit en modèle, en capitale d'imprimerie. Et il va falloir maintenant le retrouver dans cette grille. Donc vous allez avoir besoin d'un crayon de couleur. Et donc je vous conseille de regarder ligne après ligne et de bien observer les lettres pour reconnaître donc le mot « signe ». Allez, observons la première ligne. Regardez bien chaque lettre. Pour le mot signe, il faut donc C, Y, G, N, E. Alors je regarde. Ah, C, Y, G, N, E. Il s'agit bien du mot signe. Alors je m'applique. Je viens colorier tout le mot avec un crayon de couleur. Et je m'applique. Voici le premier mot signe. Donc ensuite, à vous de regarder dans la deuxième ligne, puis la troisième, la quatrième et enfin la dernière ligne. Voilà les enfants, je vous souhaite bon courage et n'oubliez pas de vérifier vos réponses avec la correction qui se trouve juste en dessous sur le blog. Bon courage !